tout rose et frais comme une fleur. Mais à 18 ans, j'eus la naïveté de l'ouvrir tout le temps à celle qui voulait le visiter. Des brunes et des blondes, femmes de tous les mondes, et sans m'en douter, ça me l'a tout esquêté. Quand on laisse entrer trop de femmes dans son cœur, il y a toujours un peu de grabuge à l'intérieur. J'aurais dû prévoir qu'il y avait du danger à recevoir chez soi un public mélangé. Comme celui de ma vie, mon cœur est tout petit, mais les femmes légères me l'ont appesanti. Il arrive un jour qu'on a des lourdeurs. Quand on laisse entrer trop de femmes dans son cœur, je le comprends trop tard, même un cœur aimant n'est pas un bazar où l'on peut entrer librement. Sitôt qu'une nouvelle y vient un moment, elle se croit chez elle et s'installe complètement. Elle vous déménage, elle vous saccage tous les souvenirs auxquels on peut tenir. Quand on laisse entrer trop de femmes dans son cœur, on n'est plus le maître dans son intérieur. On a beau les menacer d'une expulsion, elles invoquent la loi sur les prorogations. Moi qui n'aime au monde que ma tranquillité, je me dis quelles leçons tâchons d'en profiter. On est sûr d'avoir des crises et des